Bonjour et bienvenue sur Dark Taco Gaming pour un nouveau jeu, enfin une démo. Alors j'ai décidé de la mettre aujourd'hui parce que je viens de découvrir que ce jeu existe. Il s'agit de Keep Out, un jeu coréen. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait un espèce de nouveau Little Nightmare. Alors malheureusement, c'est avec les flèches, j'ai pas l'habitude. Ok, interaction avec espace. Donc nous sommes un jouet. Ok, donc c'est Spoopy. Alors, je mettrai le lien dans la description pour la page de la démo ainsi que le trailer. Ok, le chien s'est assommé tout seul parce qu'il est débilus. Alors, on n'a pas beaucoup de lore pour l'instant. Donc, je vais un peu parler du jeu. On n'a pas beaucoup de lore pour l'instant. Tout ce qu'on a, c'est cette démo. Je la ferai en attendant Little Nightmares 2. Je préviens, dès que Little Nightmares 2 apparaît, j'abandonne tout, quoi. Ah, d'accord. Mais ça passera pas. Ça passe? C'est bien ce qui me semble et ça ne passe pas. Ils avaient prévu que... J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que il faut que je me dépêche de ramener ce seau de l'autre côté de cette barrière. Alors attends, j'ai du mal parce que espace, c'est interagir. Ça bouge pas du tout en fait. Qu'est-ce qui bouge en fait? Y a rien qui bouge, on est bien d'accord. D'accord, faut que je maintienne enfoncé. Une tempête dehors. Ça passe. Donc on reconnaît bien un peu l'ambiance à la Little Nightmare, un peu aussi de comment. Comment? Il y a un Rubik's Cube. Comment ça s'appelait déjà? Limbo. Hey hey! Ok, c'est scénarisé ou je me suis fait avoir? Ok, je me suis fait avoir, d'accord. Je pensais que c'était une cinématique. Merde alors.
Faut que je recule. Si tu avances et que moi je recule, comment veux-tu que je t'en... Et zut. Ah, c'est compliqué, hein. Ah bien sûr, ah bah bien sûr, ah bah ça c'est sûr que si tu fais ça, hein, ah bah je vais me faire avoir. Hein. Ah bah, c'est vrai que d'habitude je saute, mais bon là j'ai pas eu l'occasion de sauter. Ok, on est nul, on est minable. Mais on va réussir. Y a quelqu'un qui dort. Où est-ce qu'il dort? Oh. Il faisait semblant de dormir, le... Son of a bitch! Mais je suis un petit... Ah ouais, mais comment tu veux que j'évite ça? Faut que j'évite de y marcher sur les pieds? Vous voyez, ça me bloque, en plus je peux même pas sauter. Faut que je l'évite. Faut que je continue d'avancer. Bon, on va essayer de continuer d'avancer. Zut. J'ai essayé de reculer au dernier moment, mais je ne peux pas. J'utilise tellement souvent les flèches qu'il y a des trucs en dessous, quoi. Il y a de la poussière qui s'est accumulée. Regardez, mais je peux rien faire! Je peux rien faire! Quel est le fuck? Vous voyez? Il y a quelque chose que je pige pas? Ah. Bah quoi? Faut que je fasse autre chose en plus? Techniquement, je sais que je suis un jouet. Est-ce que ça veut dire que je peux faire... Ok. Je viens d'assassiner quelqu'un. J'ai tué Sirius Black. Oh. C'est moi là sur le PC. C'est fini? C'est fini, c'est juste ça la démo?
Bon, après, c'est suffisant, hein. Pour moi, moi, je suis hypé là. Comptez là-dessus, quoi. Weavering. Weaverint. Déjà, j'ai galéré, ne serait-ce que pour trouver la page du jeu. Je vous jure, hein, j'ai galéré. Tu mets Keep Out, Survival, t'as plein de trucs qui apparaissent et c'est pas du tout le bon. C'est donc Keep Out, un survival horror où tu es un jouet dans un monde impitoyable. Inspiré grandement de Little Nightmare, ça se voit. Rien qu'à l'ambiance et tout ça. C'est vraiment la vibe des. Comment? Des plateformeurs en. Comment? En side-scroll. D'horreur, d'angoisse, avec vraiment une ambiance bien à eux. Celui-là, on voit que c'est plus une ambiance enfantine. En mode. Voilà. Des jouets. Par contre, j'espère qu'on saura pourquoi ces humains-là, ces chiens ont les yeux rouges et cet humain a essayé de nous choper. Moi, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc, dans la description, vous avez le lien pour télécharger le jeu si vous voulez le tester vous-même. Je vais aussi mettre le lien du trailer pour que vous voyez un peu l'ambiance. Parce que moi, j'avais vu le trailer, j'ai été hypé, j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas une démo déjà dispo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus!